Ça va? Ça bosse? Fais gaffe, on va te voir. Hein. Cache-toi. Il y a un drapeau national. Hop là, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'attends que ça arrive un petit peu. Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que le son marche bien? Salut Janine. Janie, pardon. Est-ce que tout marche bien? Le son? Est-ce que tout va bien? Si vous pouvez envoyer des pouces pour voir si tout fonctionne bien, s'il vous plaît. Je pense que oui, à mon avis. J'attends juste confirmation. Ouais, ça a l'air de marcher. Salut Jordan. Du coup, au cas où, hein, si tu te sens dépinglé, Jordan, avec plaisir. Donc, bienvenue à tous et à toutes à Live Solo Denis sur le rassemblement et la manif de Lorient. Comme d'habitude, hein, je vous laisse liker, je vous laisse partager. Salut Franck, merci beaucoup. Ça va? Je vous laisse liker, partager. Je pense que les modos vont faire le taf. Si des fois vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee Live Solo. Et je vous en remercie d'avance. Hop, on va tourner ça dans l'autre sens. Donc voilà, il commence à y avoir un petit peu de monde, à savoir qu'a priori, il y a pas mal de monde qui est parti sur van, de ce que j'ai cru entendre aussi, puisqu'il y avait un appel départemental, je crois, ou régional, je ne sais plus, sur van. Donc voilà. Mais un petit monde quand même. À savoir après que le rendez-vous était prévu tout au bout là-bas. Mais en fait, tout le périmètre est parqué par rapport. Il y a la fête des associations aujourd'hui sur Lorient. Et pour aller voir ces assos, faut avoir le pass sanitaire pour pouvoir accéder. Donc voici la raison pour laquelle. Le rassemblement se fait, on va dire, juste à côté des trésors publics. Salut Sylvie, j'en profite pour saluer tous les autres médias indépendants que je connais ou que je connais pas, c'est-à-dire nous autres, l'équipe de T-Web, le journaliste 2.0, voilà, qui sont sur le terrain. Et puis tous les autres médias indépendants, hein, que ça soit Vécu, Civicio, pour ne pas les citer, voilà. Parce qu'on sait que les médias indépendants ont un rôle à jouer. Bon, aujourd'hui, je vais m'efforcer de faire attention à ce que je dis et à ce que je fais pour éviter plein de désagréments. Et puis voilà. En tout cas, je voulais tous vous remercier, hein, ceux qui me suivent, pour tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir. Et puis voilà, quoi. En tout cas, voilà, à l'Agora, l'Agora qu'il y a eu mercredi, il y a eu décision prise. Décision a été prise comme quoi il n'y aurait pas de. Que les gens pouvaient venir, que ce soit n'importe quel parti politique ou n'importe quel syndicat, mais en laissant plus ou moins les costumes de côté. Et la même pour les drapeaux. Et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas de drapeau, en fait, il y en a juste un. Bah, c'est un drapeau breton, donc pas trop. Rien de bien méchant, quoi. Mais bon, je n'interviendrai pas sur toutes ces choses-là, en tout cas. Il y a quand même une bonne petite mobilisation encore. Je pense pas qu'elle sera à la hauteur de ce qu'on a pu avoir les semaines précédentes. Je vous dis, du fait qu'il y avait un bon appel sur Val aussi. D'ailleurs, je salue
je salue Van, hein. Si je reste ici, c'est pas contre vous. C'est que voilà, bah, je préfère rester au local, je préfère rester sur l'Orient et puis voilà. Quoi. En tout cas, il y a toujours pas mal de. Enfin quelques pancartes. Je ne vais pas dire pas mal, mais il y a quand même quelques pancartes. Pareil, il y a les gens qui sont ici et qui veulent le live. S'ils veulent intervenir, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires ou des témoignages à apporter, je suis là pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous le souhaitez. Ben, salut Julien Nordiste, bon courage à toi. Dans la joie et la bonne humeur. J'ai juste la bonne humeur. Donc je rectifie, venez dans la joie et la bonne humeur. Bonjour. Non, moi c'est pas moi qui. Le parcours c'est pas moi, c'est Olivier, c'est le monsieur là avec le chapeau là derrière. Et la marinière. Ouais. Et la marinière. Non, la marinière, je sais rien. Derrière le monsieur avec la chemise. Donc c'est bon. Salut, ça va? Ouais. Ouais. On veut pas. Ah mais oui. Non mais j'avais regardé. Ah ouais, les gens sont énervés. Du coup, je savais pas le parcours. Ça va? D'accord. Ouais, moi aussi j'étais pas à l'heure. Bon, après à chaque fois on attend une demi-heure ou trois quarts d'heure avant de partir. Ouais, bah, d'un côté ça va aux gens d'arriver quoi. Ouais. Ouais, et puis aujourd'hui c'est un peu compliqué dans le fait qu'au dernier moment on a changé le lieu de rendez-vous. Donc, Ouais, parce qu'ils l'ont fermé. Ça va. Ben moi, c'est comme l'appel qui m'a appelé. Monsieur Eric, comment allez-vous? Qu'avez-vous à dire aujourd'hui? Eric? Olivier, pardon. Olivier, pardon, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de t'appeler Eric aujourd'hui. Ouais, j'ai une gueule de Olivier, quoi de neuf aujourd'hui? Bah écoute, moi, je suis content. On n'a pas le drapeau pour le moment. On va pouvoir faire notre parcours apolitique et rester citoyen et non pas militant. J'ai envie de te reprendre, j'ai même envie de dire, parce que des fois on mélange, mais peut-être plutôt notre mouvement apartisan, j'ai envie de dire peut-être plutôt. Oui, ouais, si on veut jouer sur les mots, d'abord faut pas me prendre au mot, j'y suis. On en déplaise à certains qui utilisent mon statut pour me dénigrer. Oui, a priori, vous avez eu une déferlante sur les réseaux aussi. Ouais, elle a continué jusqu'à encore ce matin. D'accord. Après, on nommera pas de nom en direct, hein, on évitera pour que ça recommence. Mais bon,
Salut Bob. Tiens, tu peux me donner une feuille du parcours, il y a des gens qui me demandent déjà. J'en ai plusieurs exemplaires. Hop là. Ouais, de toute façon, vous serez à la fin des défis. Et bon, ma voiture est place pas du bon jarret, la place de la dernière fois d'enfant. Bonjour, ça va ? Ça va ? Et moi, j'ai ma voiture. Trop pas, là. Je sais pas du tout. C'est déjà 3h15 hein, quand même. Je sais pas du tout. Je n'en sais rien. On va bouger d'ici 10 minutes. Bah voici le parcours. Donc a priori... A priori ça ne passe pas... Ça ne passe pas à l'hôpital. Hein. Ah ça s'arrête pas à l'hôpital ? Non, non. Ouais, c'est un petit parcours, ça tombe bien, j'ai le genou en vrac, aujourd'hui c'est parfait. Ouais. Ouais, c'est très bien, ça fait du bien. Alors c'est parfait, coucou Marie, salut. Oh bah c'est très bien. Vu que j'ai le genou en vrac, on n'ira pas marcher trop, c'est parfait. Petit parcours aujourd'hui. Oui, c'est bon. Salut. Oui, bien sûr. Qui corps route ? Ah, petit. Ben, s'il y en a. Ouais, ben après, ben, je ne peux pas trop les courir après, mais s'ils ont envie, tu peux les envoyer vers moi, au contraire. Hein, je suis là pour ça, de toute façon. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il y a plein de choses intéressantes, de toute façon. Après, moi, j'ai un peu de difficulté à aborder les gens, par contre, que je connais pas avec, pour les faire témoigner, donc c'est un peu délicat, mais... J'appelle Séverine, bon. Elle est toujours là-haut, qu'elle, ouais. Qu'elle vienne nous rejoindre pour partir. D'accord. Ouais, 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 c'était un peu compliqué, mais bon. A priori, la manif, alors Jordan, la manif se termine place Poly-Montjarret. Le lieu. Le lieu où pour aller consommer dans les bars, faut avoir des bracelets. Mais en fait, bracelet, passe, pas passe, en fait. Ben, je peux faire les paris qu'il y a moyen d'aller consommer n'importe où si on a envie de tricher. C'est la triche est hyper facile. Après, moi, personnellement, je rentrerai pas dans... Quoique, je dis ça, je l'ai fait quand même mercredi dernier. Mais en fait, les gens veulent instaurer des trucs par rapport aux passes. Et voilà, ça contrôle sans contrôler. C'est-à-dire que ça contrôle les passes, mais ça contrôle pas les pièces d'identité puisque les gens n'ont pas le droit. Et en fait, je peux très bien te prendre le pass de mon voisin, en faire une photocopie et puis aller consommer dans un bar et ça peut marcher. Ou même sans pass, hein, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Et entre autres, hein, sans forcément les citer, mais ces quatre fameux bars qu'il y a sur la place Poly-Montjarret, un de ces quatre bars-là, j'ai réussi à y rentrer mercredi et voilà, j'avais envie de dire, c'était open bar. Hein. Donc, je sais pas combien ça leur coûte l'histoire des bracelets, mais moi, pour moi, ça sert pas à grand chose. Hein. Oui, oui, non, mais après, Hélène, t'inquiète, hein, je sais que ça coûte de l'argent de se faire prendre, mais les 750 euros, c'est pas pour ma gueule, hein, c'est pour les patrons de bar, hein, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je crois que c'est une amende à 135 euros, un truc comme ça. Mais bon, autant dire que. Salut, Alonso! Autant dire que c'est un fiasco complet. Ouais, salut Alonso, merci de partager le Tipeee. J'ai aperçu Eric, je pense que s'il est à côté de moi, il te passera le bonjour. Donc j'anticipe, t'as le bonjour d'Eric. Il a une belle veste d'ailleurs, floquée comme ta... Je sais plus ce que c'était toi, un polaire, comme ta polaire. Ah. Ça arrive, voilà. Où va-t-il se poser ? Dans le stade ? Non ? Voilà. C'est un cœur vendéen. Ouais.
Putain, j'aurais bien fait de sieste sur cette après. C'est quoi, c'est un parapente non, je sais pas si c'est salut ça va. Ouais. Parachute à Sansonnet, je pense. Parachutisme, mais oui, c'est parce qu'il y a la. Il y a la journée des. Je sais pas si c'est que la journée ou si c'est du week-end alors que les assos. Le, on va dire la fête des. Ouais, c'est la fête des associations à Lorient. Et pour accéder, donc comme vous pouvez voir, pour accéder à l'intérieur, on accède avec un pass sanitaire, hein, forcément. Donc voilà. Je vais aller regarder devant un peu comment ça se passe, que vous puissiez voir. Non mais t'inquiète, ça va. Donc voilà, ça se passe juste là, il y a des animations. Et voilà, donc du coup c'est pareil, hein, ça parque par rapport aux animations, mais finalement même de ce côté-là on peut les voir, donc voilà quoi. La deuxième, vous pouvez le voir là-haut. Ben, ça c'est parachute, ouais. c'est pas du parapente, c'est du parachutisme. Mais bon, il y a pas grand monde, hein, sur la fête des assos là. C'est, on peut pas dire qu'il y ait énormément de monde. Mais bon, après en ce qui concerne Lorient, bah malgré le gros appel à Vannes, si, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un peu de monde. Après, ça sera pas BZF, mais ouais, j'ai envie de dire 500 personnes, je pense, un bon 500 personnes. Non, 500, c'est bien. Ouais, 500, c'est bien. Ouais. Non, je n'étais pas au rassemblement en soutien aux Afghans hier parce que voilà, c'est pas que je soutiens pas, hein, au contraire, mais trop de choses à faire. Ça va ? Ok. Ouais, j'ai hésité, j'avais failli y aller, mais voilà quoi. Ah bah Habib, dépêche-toi. Cours Habib, cours. Cache ta tête. Je pense que ça a bougé pas mal à Vannes aujourd'hui, à mon avis. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Salut Mumu. Putain, ça en prend beaucoup de lumière. Ça me crève les yeux, le soleil, là. Non mais après je me suis mis pareil, j'ai accordé ma page avec le nombre jaune, et le nombre jaune ont trouvé un moyen de scruter tous les lives et arrivent à. Alors est-ce qu'ils ont une application pour bon, en fait à chaque rassemblement, chaque manif, j'essaye de filmer le cortège complet, donc du début à la fin, et je crois qu'ils ont des personnes au niveau du nombre jaune à qui s'amusent à reprendre les lives de certains médias indépendants et d'essayer de calculer les personnes qui. Yasso qui fait coucou, je pense que c'est un message subliminal. So, je crois que tu as un coucou subliminal. Ouais.
ça cogne. Tu peux dire à monsieur le maraviste de ne pas me mettre de plein d'emploi. Je vais pas commencer. Ah, ça commence à s'animer un peu. Bon, je vois que tu as capté le message son. J'ai pas besoin, moi, de toute façon. Ça va ? Apparemment, ils sont quand même. Ça va ? Là, on fait là le parcours de la vie. Mais je te cherchais, ça va ? Ça va ? Le parcours, c'est quoi ? T'as bien là ? Après moi je dis rien, je vois rien, c'est pas mal en plus vous êtes là. Laisse-moi ma bite s'il te plaît pour m'asseoir. Ah bah ça y est. Donc a priori, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'y avoir de drapeau aujourd'hui, mais je trouve que symboliquement parlant, c'est pas mal quoi. Je vais vite aller me positionner. Olivier, t'as mis derrière ? Sur ta gauche. Ça va ? Ouais, ça va. Allez, on va aller se positionner, mais après, ouais, il n'y aura pas énormément de monde. Enfin, il y a du monde, mais pas autant que les samedis précédents. Alonso, il y a des messages à supprimer. Je m'en occupe. Émar Julienne. Hop, bloqué. Au revoir. Et le nombre de... Quand tu commences à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, je peux te dire qu'il y a énormément de... Pour répondre à toi, Katie, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de messages, de trucs, des messages où si tu as le malheur d'appeler, c'est des appels surtaxés et c'est de la grosse merde, entre guillemets. Et ça, c'est... Merci. Bien content de savoir qu'elle va m'annoncer une femme alors. Ça c'est pas dans mes recherches actuellement, j'ai autre chose à faire. Bah pareil, j'en profite pour vous le dire, c'est peut-être pas forcément le lieu ou autre, mais les lives vont se calmer un petit peu pour moi. Je pense que j'aurai surtout de la présence le week-end, mais la semaine un peu moins, parce que ça y est, pour ceux qui s'intéressent, du coup je démarre une formation dès mercredi
pour 9 mois, donc je serai un petit peu moins disponible la semaine. Je t'ai reconnu avec ta pancarte. Non mais il n'y a pas de formation pour avoir une grossesse. Et puis voilà, ouais, j'ai dépassé le délai, Hélène, t'inquiète. Je suis en surgrossesse, moi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait il y en a deux de drapeaux en tout. Après, personnellement, j'ai mes idées par rapport à ça, je n'en parlerai plus. Mais je ne suis pas un organisateur. Après, je vous laisse constater, faire vos propres analyses, vos propres propos. Je ne m'en occupe plus, tout simplement. Hop là. Bonjour. Il y a une dame qui vous cherchait tout à l'heure et moi je lui disais qu'on a tous eu le Covid chez moi. Je ne sais pas si elle cherchait un monsieur un peu fort avec sa caméra, c'est peut-être. Ah bah ça, il y a des chances que ça soit moi. Ouais, tout témoignage. À fait. Ah bah ouais, je vais bien réussir à la rencontrer. Ah bah elle est là. Non mais c'est moi la témoin. Ah. C'est la dame en rose là, elle vous connaît a priori. D'accord. Elle est médecin ou elle était médecin, je crois. D'accord, mais c'est qui voulait témoigner du coup? C'était bah moi. Vous. Ah c'est vous. Bah, ça vous dérange de... Bah non, on va marcher ensemble. Oui, je vais perdre, parce que je ne veux pas perdre la copine. Voilà, bah écoutez, on va marcher ensemble et puis vous allez m'apporter votre témoignage. Déjà, vous êtes... Votre prénom, c'est... Catherine, bah écoutez, bah, alors, je vous laisse profiter, voilà. Donc, j'ai 59 ans. Je vis avec ma fille qui a 32 ans et ma belle-fille qui a 33 ans. Ma petite-fille qui a 3 ans et demi et mon fils de 23 ans. D'accord. On a attrapé le Covid avec des résidents là où travaillent mes filles en maison de retraite. Donc elles ont attrapé avec des résidents qui étaient déjà vaccinés. Et puis nous on l'a tous attrapé, même ma petite fille de 3 ans et demi. On s'en est sorti très bien. Et puis pas de séquelles ni rien. Enfin on a perdu un tout petit peu l'appétit et puis on a été un peu fatigués les deux premiers jours. Et voilà, maintenant nous allons tous bien. Donc vous avez survécu à tout ça, voilà, bah, c'est magnifique. Nous avons survécu à tout ça. Et donc du coup aucune obligation vaccinale pour le coup. Absolument. Il paraît qu'on a 6 mois pour le. Alors comme mes filles travaillent en maison de retraite et qu'on ne veut pas qu'elles se fassent vacciner non plus, eh bien je viens aujourd'hui manifester aussi pour ça. D'accord. Voilà. Mais du coup ça vous permet d'avoir un pass malgré tout, vu que vous savez. Et on a un pass pour 6 mois. Mais pourquoi 6 mois? Je ne sais pas, c'est la CPAM qui nous a dit, madame, voilà, vous aurez, si vous voulez, une injection, une seule injection dans 6 mois, j'ai dit, vous la gardez. Mais je ne vois pas le pourquoi vous auriez mois. Que... Vous... C'est le monsieur de la CPAM qui nous a dit 6 mois. D'accord, encore des choses un peu bizarres, quoi. Je ne sais pas. Bon, donc, en tout cas, vous êtes tranquille pendant 6 mois, vous pouvez aller, si vous le voulez ou non, aller librement au restaurant, oui, dans les bars. Ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, surtout quand on va à la supercherie, que c'est par rapport non, à ça. Exactement. Il suffit que je vous fasse un peu de drague et puis que je vous dise... je peux faire une photocopie de votre passe et puis je peux accéder sans problème avec ça. C'est ça. Après, moi, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, mais voilà, mais on se rend compte que c'est une belle supercherie quand même, ces passes, quoi qu'il en soit. Nous, on va tous bien, donc voilà. Merci beaucoup en tout merci, cas, bonne manifestation. Merci, vous aussi.
bien sympathique. Oh, j'ai la fanfare avec moi, c'est magnifique. Allez-y, continuez. C'est un chant qu'on a inventé. Alors, on a le droit de chanter avec nous. Là. Ouais, d'accord. Mais moi, je chante très mal, donc j'écouterai moi, seulement. Je joue pas très bien non plus. D'accord. Très mal, bon, chacun ses défauts, c'est alors. 3, 4. Bon, on va les encourager. Bah, c'est cool en tout cas, il n'y a pas un grand parcours aujourd'hui pour mon genou, ça va être parfait. S'il n'y a pas un grand parcours aujourd'hui, c'est bien pour mon genou, ça va être parfait. Bah, j'ai mis la genouillère quand même. Liberté ! Ah, ça recommence. Là, d'habitude, c'est des marabouts, là, c'est carrément des trucs de rencontre ou je sais pas quoi, les messages qui passent. Il y a Alonso qui est présent, donc ça a l'air d'aller. Alonso gère. Bah, je crois que c'est pas la même, ou alors elle a plusieurs blazes. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Ça va ? Voilà, le plus fidèle des manifestants, le voilà, il est encore là. Le petit voyou. Ah, voyou, ça va ? C'est mon pote. C'est mon pote, voyou. Ça fait partie des plus fidèles manifestants de l'Orient, ça. Il se prépare à chaque fois. Il a un entraînement pour ça. Ouais. Entraînement intense ou pas spécial? Parce ouais. Il n'a pas de laisse ni de collier d'habitude. D'accord. Jusque là, il est obligé, il sait qu'il est en mission. Voilà. Bon, du coup, il a eu de... Par contre, un jour de manif, il a le droit à double ration, non? Ça se passe comment? L'autre fois, il avait une pancarte. Des os, pas de os. C'est une époque absolument folle. Bon, ça fait plaisir de vous voir, cher ami. Moi aussi, mon Denis. Et bonne manifestation. Pas de caméra, s'il vous plaît, pas de caméra. Bah écoute, Alonso, chacun son truc. Hein. Désolé pour tes doigts. En tout cas, j'en profite, hein, comme je suis en libre antenne, je voulais faire un petit big up à tous les trolls et tous les faux comptes qui m'envoient de jolis messages de sympathie. D'ailleurs, je pense à mon ami Blaze, justement. Blaze, si tu suis cette vidéo... Big up, mon ami. Moi, je sais pas s'il y a du monde au commissariat à cette heure-là. Le samedi après-midi pour aller poser une plate, c'est peut-être pas le meilleur moment. Oh, tout c'est... J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait autant d'autocollants de placardés près du commissariat. Des fois, je découvre des choses. Salut, Jonathan. Ouais, mais tu me filmes pas, s'il te plaît. Bah, j'aime pas ça.
Le droit à l'image, monsieur, le droit à l'image. Ah, il y a un chasseur de papillons avec son épuisette. Ah non, c'est pas une épuisette. Merde, je croyais que c'était une épuisette. Ah, c'est une pancarte, un petit panneau artisanal. Ah, c'est petite marche aujourd'hui, hein. Tranquillou, ça va faire du bien. Mais j'aimerais juste savoir, c'est les gens qui sont là sur la gauche, ce qu'ils pensent, juste par curiosité. Ah, scout toujours, toujours là, salut Gérard. On coupe un peu. C'est quand même, allez, à un ou deux près quand même, première manifestation que j'assiste, à laquelle j'assiste, et finalement, comme ça a été décidé à l'Agora, bah, il n'y a pas un seul drapeau de parti politique, et je trouve ça quand même cool, mais je ne m'étalerai pas, ça m'évitera de dire des conneries. Dans deux semaines, tu seras ton appareil photo. Je sais pas si t'as pas fait une erreur de frappe sur ta phrase en fait. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Mais j'ai le plan, non ? Et bah alors, tu sais pas lire un plan ? Si ! Bah alors ? Je sais pas si on est sûr comme la dernière fois après. Non, regarde, bah tu suis le parcours, on remonte, hop, et puis ça s'arrête là. Ouais, je sais, mais je dis peut-être. Voilà. Faut apprendre à lire les plans à l'école aussi. Hein. Ah bon, oui, tu vas plus de toute façon. Ça s'est passé comment la rentrée ? T'as pas été du coup ? Non. Non, j'ai pas été. Je fais à la maison et puis maman elle fait les papiers, etc. De toute façon, t'as le droit de faire les cours en distanciel de toute façon. Non ? J'ai fait sauter une classe où j'ai que 15 ans. Mais bientôt, en février, je pourrais être tranquille. Mais là, de toute façon, comme je suis en première, il fallait choisir les SP. Et j'ai pris tous les SP scientifiques, physique et tout. D'accord. J'ai pris physique, maths, SVT. Pour être tranquille, pour pas qu'on m'embête parce que c'est plus sérieux. Disons que si on fait d'autres SP, quoi. D'accord. C'est les SP les plus sérieuses. Et puis, de toute façon, j'ai trouvé les programmes de l'éducation nationale. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et j'espère que tu auras ton bac dans deux ans, du coup. Ouais. Je te le souhaite en tout cas. Allez en rythme. Allez en rythme, Mamoun. Oh, t'as loupé.
te dérangerait pas, toi, par contre. Bah, le pas, si on te le met... Pardon. Bah, lui non plus, d'ailleurs. Oh, putain, je vais avoir des problèmes. J'aurais jamais dû dire ça. Je plaisante, bien entendu, pour ceux qui suivent le live, qui sont à l'affût du mois de redérapage. Parce qu'après j'ai des problèmes avec la chasse. Bah écoute, ennuie-toi bien, allons-y. Profites-en pour boire un diabolo, une bière. Il est là, Eric. Eric, tu as le... Si tu veux passer, il est avec nous. Un petit bonjour à Alonso, j'imagine. J'ai anticipé. Je lui ai dit que tu lui passerais sûrement le bonjour. Ouais, oui, c'est que je t'attrapais. Voilà. Je l'ai eu avant même la manif au téléphone. Voilà. Alors on a une grosse pensée pour lui. Et puis... Voilà. Parce qu'il s'ennuie un peu à la maison. Il voilà. Je sais. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, notre reporter photographe, Eric.
Je rappelle à tous les commerçants, tous les commerces qui sont assujettis au pass sanitaire pour travailler. Demain, midi 13h, pique-nique sur passe de Ferry. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le pique-nique demain, j'avais oublié. Battons-nous pour votre liberté et protégez nos enfants. Non au passe, non à l'injection obligatoire. Le bon est ton ami. Macron, ton passe, Romain, ton passe. T'avais vu non ou pas? Je me rappelle plus. Grosso modo, il devait y avoir 1250-1300 la semaine dernière.
Ouais, ta cuisson, c'est cuisson. Il y a encore du monde derrière. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, il y a un peu de monde quand même. Ça fait rond, je suis à droite. Ça vaut le coup de faire la vitrine ou pas? Ouais, c'est bon. Je j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait les équipes qui sont... J'en découvre tous les jours, mon pote. Mais c'était pas un autre bâtiment, ça, avant d'être une banque, non, c'est quoi ? Ça va ? Je suis sur la piste. C'est cool, merci. Liberté ! 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 Vraiment, ça fait un peu penser à Papy Brinton et... Il y avait un faux air dans les films. On va tous les niquer. On va tous Nous avons un cheminot parmi nous. Il paraît qu'il faisait comme ça. D'ailleurs, en parlant cheminot, grand débat pour les titres gratuits de transport à la SNCF. Ça sent un peu l'enfumage, tout ça encore. Parce qu'il y a un appel des cheminots et du coup, il y a déjà eu des propositions. Le billet gratuit pour les forces de l'ordre. Plutôt que de donner des primes, on va laisser les billets offerts pour... Yeah.
ça va ? La seule discothèque encore fermée sur l'Orient, elle est là, le Titi Club. C'est chez lui, il faut que j'essaye de venir à chaque fois que je le dis et je n'ai pas arrêté. Fais gaffe parce que je peux vous faire un Carreaux de céramique là. C'est une bonne visibilité là en fait quand on est en tête de corps. Faites du bruit ! Ah, il y a quand même du monde.
Ouais, aussi, ouais. Non, mais après, c'est cool. PUBG, il y a quand même une constante tous les samedis, quoi qu'il en soit. Avec tous les appels qu'il y a à travers la France. Macron, on passe, on ouais, il y a un peu de monde quand même. Il y a un peu de monde quand même. Restez scotché. Aïe, ça va faire mal. Ah bah, a priori, ça s'arrête. C'est bien, on n'aura pas trop marché. Il y a même des distributeurs de... Ah ouais, d'accord. Si t'as des trucs à faire, vas-y, hein, parce que franchement, moi c'est crème hein, aujourd'hui. Des promesses, des promesses. Ouais. Oh, si tu veux aller avec Mamoun, tu peux y aller, t'inquiète pas. J'allais me mettre à l'ombre. Après ce soir-là, ça n'a pas un grand impact en tout cas.
Voilà, donc pour info, là, dans le secteur où on est, donc si je dis pas de bêtises, il y a ce bar-là, celui-ci et celui-ci, et le quatrième, je sais plus quel c'est, où il y a un partenariat entre eux et où il y a des... au niveau passe, ils ont trouvé le truc de passer un bracelet tous les jours, que les gens puissent naviguer sans être obligés à montrer leur passe, sans être obligés à montrer leur passe à chaque fois. Mais sauf que, bah pour vous dire, un de ces deux bars là, juste pour vous donner une idée, mercredi soir, il y en a un des deux, je voulais choisir, faire Amstramgram, mais il y en a un des deux où je n'ai pas été contrôlé, j'ai pu rentrer à l'intérieur et boire deux verres. Voilà, après pas vu, pas pris. C'est surtout ça, ouais. C'est le pass licenciement. Ouais. Là, je suis un peu d'accord avec ça. Protège rien du tout, de toute façon personne n'ira en terrasse. Thank you.
plus plaisir, car c'est une généticienne qui nous instruit et qui nous aide, nous dit la vérité. Donnons-nous tous la main et faisons une salle humaine. Faites généreux! Faites généreux! Faites généreux! Dans la campagne, normalement, quand on met ça, c'est pour qu'ils arrêtent de faire des conneries. Ouais, on ne croit pas aux animaux. Ouais, je veux bien. Vraiment, on disait j'ai pas la gale, après la pêche, après le suicide, maintenant j'ai pas le Covid. Merci beaucoup. On va faire plusieurs cercles. Encore un autre cercle au milieu. Oui, vous êtes. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Ah, mais il y en a plein qui prennent soin de moi aujourd'hui. J'ai le droit à du Perrier, j'ai le droit à de l'eau. J'ai pas eu ma petite bière encore. Ceci est un appel subliminal. Alors ça c'est magnifique. Voilà pour les mégots. Alors ça tombe bien, je suis en train de fumer une clope, donc je vais pouvoir. Est-ce que j'écrase ma cigarette sur la raclette ou sur la fondue? Et moi je suis les deux, donc je la mets ici. J'ai opté pour la fondue aujourd'hui.
après ça ou autre chose, hein, de toute façon, c'est que le pass, il a de longs jours devant lui, hein, Bob. Hein. On verra la semaine prochaine, surtout. A priori, il y a une grosse mobilisation, on verra la semaine prochaine. Après, elle est surtout à Paris, la grosse mobilisation, la semaine prochaine. Voilà les amis, vous savez quoi, on va rester sur ces belles images. Au pire, de toute façon, c'était le lieu de fin de manifestation. Donc, au pire, si jamais il y avait quelque chose d'autre qui se passe, je refilmerai. Mais je vais couper le live. Je vais profiter que c'est calme un peu pour profiter aussi de la manif. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup tous et toutes d'avoir suivi le live. Merci Alonso hein, pour ta participation. Je vous souhaite un bon samedi, je vous souhaite un bon week-end. Je pense qu'on se retrouvera demain midi pour le pique-nique, on verra. Et puis voilà, donc bonne fin d'après-midi. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite. Allez, des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.